c'est zoomé, ma défi. Je voulais te foirer le début de vidéo. Ah ouais, bah c'est réussi, bah merci. Hein. Réussi. Top là. Allez, top là, ma croque. Voilà. Bon, bah c'est Dessy, hein. Voilà, c'est Dessy. Et Kriot. Bah oui, bah ça, on avait bien marqué, merci. De rien. Non, mais c'est pas possible, ce secrétaire, non, mais je veux dire. Non, début mais franchement. Vidéo foirée, check. Tu peux enchaîner. Comme d'habitude. Grâce à toi. Dis donc, peut-être que je te referai un peu chier après. Et dis donc. Secrétaire. Je dis ça, je dis rien. Tu ferais mieux de penser aux protections, là, quand je fais des ouvertures et tout. Pourquoi il n'y a pas de protection, là? Il n'y a pas d'ouverture. Ah si, oui, il y aura l'album de collection. Là, on va non, parce que ça fait comme deux fois que tu oublies. Mais elles sont juste là, les protections. Aïe, ça c'est mon pied. Pardon, ma Dessy, elles sont juste là, les protections. Oui, mais avant, il n'y en avait pas à cet endroit-là. Ah. C'est moi qui les ai mises. Je m'en excuse. Donc, hein. Voilà, je m'en excuse. Attention, hein. On va t'enlever la feuille de salade le midi, hein. Ouais, youpi, ah, ça me va. Top là, ça me fera plus de nouilles et de viande. Ouais, non. On met dit temps. Non. Non. C'est un carreau, mais le problème, c'est non, que... Non. Le pauvre petit, quand on lui dit ça, ça va pas. Non, c'est bon, non, laisse tomber le coup du carreau. Laisse tomber, oui, parce que quand on lui dit ça, il veut se mettre en position du carreau. Quand on a mal à la tête, c'est pas évident, en plus. Ouais, voilà. Là, pauvre petit Kiyosune. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bah non, oui, c'est pas pour une ancienne. Pardon. Donc du coup, on vous avait dit qu'on ferait donc une ouverture en off ce week-end d'SL6 et qu'on vous montrerait l'avancée. L'avancée, je dis montrerai. On a fait une grosse ouverture quand même, mes amis. Ouais, c'était quand même une grosse ouverture. Et en même temps, on va vous montrer ceci. Donc en fait. Donc, il s'agit donc du kit de collection. Donc, voilà le nouveau nom que donne le pays. Voilà, donc du coup, à l'intérieur, donc, vous avez donc, le livret, vous avez un petit booster. Et notamment, vous avez un poster. Donc, on s'ouvrira ça juste après. Hein. Je pense qu'on va d'abord montrer le classeur. On s'en occupe d'abord du classeur parce qu'il faut qu'on vous parle, les amis, de ce kit de collection parce que c'est quand même... Une petite blague, hein, en vrai. Oh là là, c'est dur de tout montrer. Regarde-moi ça, c'est coupé en haut. Et si on dézoome une chouette? Oui, voilà. Pas trop. On va rester comme ça. Voilà. Tu crois que je peux faire ça comme ça? Oui. Voilà. Donc là, du coup, ici, donc, vous avez la première page avec la petite famille Nanef. Hein, évidemment, bon, bah, le petit blizzard qu'on retrouve en plan. J'espère que vous voyez quelque chose, les amis. Hein. Normalement, oui. Normalement. Alors pour info, en même temps les amis, ça permettra en plus de vous montrer l'avancée de SL6, sincèrement on pourra vous montrer toutes les cartes, au moins jusqu'aux ultra. Jusqu'au FA. Jusqu'au FA. Et on maintient que SL6 est une très belle série. En fait. Oh ouais. La série est très jolie. Énorme. Ouais. Et passer à côté de la série, c'est franchement dommage. Ah franchement ouais. C'est franchement dommage. Donc vu que Dessy, je sais pas si elle l'a dit. Donc en numéro 1, donc vous l'avez vu, hein, donc il y a 9 noix de coco. Pas à modeler. Le petit Blizzy, Blizzarois, Lépidoni, x2, deux illustrations différentes. Pérégrin, Prismillon et Cabriolène. Oula. Suivi de Chevroom, Cancre Love, et en plus les amis, même les ouais, joueurs la sont petite Cancre Love FA. Oui, non, elle est Holo, pardon. Oui, je le vois. On vous le dit tout de suite, ça c'est une Holo, la River c'est derrière. Je sais pas si ouais, on voilà. l'a, Cancre Love, oui, on l'a normalement. Mais on met toujours les Holo devant. En fait, oui, on l'a. Donc c'est pas le Master Set, hein. On est loin, mais c'est oui, non, c'est juste que nous on procède toujours ainsi. Quand la carte existe en Holo, on met toujours la carte Holo en premier et la River derrière. Mais si la carte est simple, qu'elle n'est pas holo, on mettra la reverse devant. Voilà. Nous, en tout cas, on procède toujours ainsi. Voilà, voilà. Bande de canailloux. Oui. Pardon. On peut voir ça comme ça. Alors, tu peux enchaîner, vas-y. Ok, donc on enchaîne avec Ossature beau, hein. d'Alola. Ouais, trop. Itran, Fennec, x2, Roussil, Gouplin et Lionceau. Némélios là-bas, qui est très 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 joli. Oui, la Gouplin aussi d'ailleurs. Ouais, la Gouplin est très belle, ouais, j'avoue. Palkia, la réédition de SL5, mais c'est pas grave, SL6 c'est vraiment très beau. Oui. Grenousse x2, Croaporal, Amphinobi, GX,
Flingouste, Gamblast et Amagara qui est trop mignon. Ouais, franchement super choupinou. On est d'accord. Vas-y, Manessi, fais cette page-là. Ouais, suivi donc de Dragmara Holo, elle est super jolie. On l'avait pas encore pioché avec vous, on l'a eu là durant l'ouverture en off et franchement, elle est trop trop belle. Suivi de Grelasson dans les caleçons. Il Seracrol, Volcanion, Prisme, donc on a eu hier ensemble. Araquois, Tarambule, Magnétique, on connaît déjà, tout comme le Magnéton et le Magnézone Holo. Puis Galvaran, Igualta, que je n'apprécie pas trop, et Kablifer. Qui méritait un petit côté holo sur le Kablifer quand même, ça c'est dommage, mais bon, la carte est belle quand même. Quoi. Oui, là, c'est vrai que ouais, c'est vrai que franchement, un petit côté holo ça aurait été super cool, mais bon, c'est dommage. Même que tu sais, sur un petit créfollet et tout, ça aurait été pas mal. Hein. J'avoue, mais juste un truc, SL6, tu vois, ma DC, on sera d'accord. SST, c'est quand même vraiment une belle série, les amis. Et ah ouais. Avec ces trois-là. Ah, franchement, voilà. C'est super canon. Hein. Il y a des cartes, elles sont super jolies. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à chier. Suivi donc de Motisma, de Créelf, Créfollet. J'adore. Créfadet, Psytigris et Mystigrix. Passons à la page suivante pour enchaîner toujours avec le type Psy. Donc Monorpal deux fois, Dimoclès, Exagide. C'est Piatop qui est super mignon dans SL6, franchement. Vous le verrez pas, mais j'ai juste bougé un peu le retour pour voir ce que vous voyez en fait. Vas-y Manessi, tu peux continuer. Mais je vois plus rien moi. Donc ensuite, Sepiatros, Enrar, Venalg, Cravarech. Ah, merci. Cravarech, le petit ou pas qui est tellement heureux parmi toutes ces petites sucreries. puis Vemini, Mandrillon, GX, qui est super jolie. La Vemini aussi, en vrai, là, les deux sont très Ouais, elle me fait penser à un petit personnage de dessin animé, mais j'arrive plus à me rappeler lequel. Si jamais il y en a qui voient de quoi je parle. Oh, pardon. Excuse-moi. N'hésitez pas. Je te proute à l'arrêt. N'hésitez pas à mettre en commentaire de quoi il s'agit parce que ça me rappelle vraiment un truc de dessin animé, mais j'arrive pas à remettre. Et des défis, elle pourra pas dormir. Le nom dessus. Oui, voilà, s'il vous plaît, aidez-moi. Sinon, j'ai pris une insomnie. Voilà, voilà. D'accord. Le changement direct. Okay. Voilà, ça c'est fait. Donc Oslep, parce que je ne sais plus si je l'ai dit, Torterra, donc on connaissait déjà, tout comme Simiabraz, Grignot, Carmage, vous connaissez. Merci. Vous aussi, vous voulez voir SL6, c'est pour ça. Suivi donc de Karchakrok Holo, elle est super jolie et puis j'aime bien la Cynthia qui est au fond. Cradopo, bon bah ça, je peux pas autant montrer ma joie sur cette carte, hein, bon, voilà quoi. Quatox, c'est la même chose. Le Pandespiègle, on n'en parle même pas. Sans compter le Permine et le Gogolpat. Il est mignon, Pandespiègle. Par contre, le petit Ranidir. Ouais, il est magnifique. J'adore. Le Rexilius, il est super beau. Donc, c'est une carte holo. Je sais pas si vous le voyez là je sur je le. Je pense pas qu'on voit grand chose. Peut-être, hein, peut-être que vous le voyez pas, mais celle-là aussi, on l'a pioché hier. Et franchement, elle est super jolie. Elle est trop mignonne. C'est un vrai kiff. Ces deux cartes sont top. Ouais. Donc suivi de Brutalibré, Zygarde sous ses deux formes, suivi de sa carte en version GX, elle est super jolie celle-ci aussi, la pioché. Ah non, c'est pas la Zygarde promo de Jacques. Non, j'ai rien dit. Non, je crois pas. Elle ressemble, mais non. Et d'ailleurs, elle est super jolie cette Zygarde GX, elle est trop trop belle. Et puis, suivi d'un autre canon, donc la Diancy Prisme. Franchement, c'est un gros coup de cœur cette Prisme, elle est énorme. Le petit Rocabo qui est super mignon, le Loup-Garoc, il a une classe terrible. Le Mousqueto, pareil, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit côté holo sur la carte, ça aurait été super sympa. Puis on peut enchaîner avec Pandarbar qui est super classe. Livel Tal GX. Elle est magnifique. Ça. Trop trop belle. Suivi donc de deux autres holos. Donc l'Engloutirant, elle est super classe. Ouais. Franchement, c'est un gros kiff. L'Impagoléon, elle est aussi pas mal du tout. Bon, après, c'est vrai que l'illustration, comme dit, on la connaissait déjà. Mais après, elle est super jolie. Bon, la Dialga GX, pareil, c'est aussi une réédition. Bon, elle reste belle. Elle reste belle. Hein. Oh mon dieu, la page de droite, les amis, je viens de la revoir. Elle... on y va encore. Ensuite, on peut enchaîner donc avec deux fleurs bébés. Merci les motos, attendez-moi, j'arrive. Vive les motos. J'adore les motos. Mimi, t'as une vidéo à faire. Non, mais...
Enfin, nous avons une vidéo, enfin, je suis quand même là, même si ça prend pas grand chose. Pardon. Ouais. Donc, suivi donc, de deux flats bébés qui sont tout mignons, puis de Floette et Florgès nymphalie. Trop chou. Ces petits dédaines. J'adore ce dédaine. Un Big Mac dans chaque jour. Puis d'un trousselin. Bon, j'aime bien sa petite forme de cœur. C'est déjà ça. Et on peut enchaîner avec Zarnéas GX également qu'on avait eu hier. Elle est super belle. Franchement, elle est trop belle. Allez, vas-y. Là, c'est top. Suivi de la famille des horreurs. Merci. Hey, on peut passer maintenant à Ultra Necrozoa GX. Voilà, c'est trop, fait. Trop bien, elle est canon. Bah, la même chose. On l'a aussi eu hier. Elle est trop belle. Ouais. C'est un canon, non? Ouais, franchement, elle est trop jolie. Et franchement, on avait super hâte attendez la suite. Attendez la suite. C'est une. Je pense que ça va peut-être en laisser certains sur le popotin. Ah, ouais, tellement que c'est beau. C'est... Voilà, on avait trop hâte, franchement, de tomber sur la famille Ultra Necrozoa dans SL6. Et d'ailleurs, juste les amis, pour les petits nouveaux, et pour ceux qui ne le savent pas, toutes les cartes sont sous sleeve. Voilà. Les communes, on les protège absolument toutes les cartes. Sous sleeve. Il y a les énergies aussi qu'on met sous sleeve, voilà. Et qu'on met à la fin du classeur. Là, par contre, on les a pas encore mises, ce sera fait. Mais il y a le stock d'énergie de toute façon, hein, je veux dire. Merci, merci. Merci, voiture. Mais bon, oui, nous en tout cas, on met toutes les cartes sous sleeve parce que voilà, peu importe ce que ça peut coûter, je pense qu'il y a quelqu'un qui se reconnaîtra. C'est pas question de ça, c'est juste que voilà, toutes les cartes méritent d'être protégées. En tout cas, nous on le voit comme ça. C'est un trésor, quoi. Je veux dire, c'est beau, c'est magique. Je veux dire, faut en prendre soin. Donc, et forcément, on met tout sous sleeve. Une simple commune peut être tout aussi jolie qu'une FA ou peu importe. Bien sûr, parce que mine de rien, moi, s'il manque quelque chose. La colline là-bas, moi je suis fan. Hein. Voilà, je sais dire... que toi t'aimes pas. Mais... non, voilà, elle est mignonne. Elle est mignonne. Merci. Je l'avoue, elle est mignonne. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Des cartes communes. Oui, parce que mine de rien, si vous êtes comme nous, que vous aimez bien genre avoir le Master Chess ou avoir tout simplement une carte de chaque, peu importe comment vous pouvez procéder, je veux dire, si vous manque une carte, bah, c'est pas la même chose. Et mine de rien, pour pouvoir conserver l'état au maximum de vos cartes, bah, je pense que c'est quand même super important de les mettre sous sleeve. Après, bon, c'est comme vous voulez. Comme vous pouvez, mais franchement, ça m'énerve ce bruit derrière. Oui, je vais enlever le rideau, je vais faire un truc. Oui, merci. Oui, vas-y. Bah, pas simple, hein. Ouais, mais du coup, maintenant il y aura plein de vent. Bon, c'est pas grave, hein, les amis. Bah, tourne-toi, tu l'auras dans le cul. Dis donc, pas possible ça. Condition de live, allez. Dis donc, mais je veux pas le rideau sur la tête, dégage. Dis donc, allez, vas-y, ma dessus. Pas possible. Ça te martyriser. Voilà. Donc du coup, l'Ultra Necrozoa. Waouh, trop canon, suivi de l'Arceus Prisme. J'adore cette prisme, elle est trop belle. J'adore en plus moi Arceus, voilà, c'est trop beau ce Pokémon. Suivi donc de Sapro Escavaren, mais on portera pas trop de commentaires dessus. Non, surtout pas. Suivi de Coiffarel. Le Coiffabourge. Voilà. On dirait quelqu'un qui se reconnaîtra. Coucou à toi. Voilà. Puis de Sonistrel, Bruiverne. Et là maintenant on peut passer donc aux cartes dresseurs. Donc il y a le cercle chimérique, donc qui elle par contre. Et ça c'est bien, une on a déjà carte rare. Oui, exact. Donc en gros on a les deux. Ça c'est cool. Oui. Suivi donc de Clem, de Lovis le Teigneux, puis de Diantea, mais en version holo. Je suis pas sûr que vous le voyez. Super jolie. Oui, vous le voyez peut-être pas, mais bon, au pire, on l'avait déjà pioché avec vous. Il y a une carte qu'on vous sortira du classeur après, pour mieux vous la montrer. Ouais. Comme ça. Voilà, vous voyez, voilà. Enfin, sans les doigts. Oui, non, mais. Voilà, il y aura la carte devant. Aîné Porteur. trop belle d'ailleurs. Juge, suivi de Mademoiselle, puis de Lysandre Prisme, suivi du Labo Lysandre, Poil Métal, Trésor Mystérieux, Ultra Commando qu'on retrouvera en FA, Ultra Dimension, Fossile Ultra Inconnu. Dimension en FA, elle aurait dû être. Elle aurait été trop belle. Parce que mine de rien, il n'y a pas grand chose, mais c'est des couleurs qui auraient fait trop bien en FA.
Enfin, elle aurait été en secrète. Ah oui, oui, oui. Non, bah oui, oui, c'est vrai. Oui, ça aurait pas été pareil. Voilà, et puis énergie, chimère, prisme. Elle est super jolie aussi, hein. Elle a des belles couleurs. J'aime bien le rouge et tout, c'est super joli. Bah, dis donc. Ouais, non, mais. Alors attention, maintenant on peut passer à quelque chose de plus intéressant. Donc oui, c'est pas encore complet, mais bon, ça viendra, mais, hein, c'est le début. Hein. C'est une avancée, les amis. Suivi de l'énergie, hein, voilà. ici, donc, on peut retrouver donc, le Lucario FA, il est super beau. Il est trop trop beau. Puis de l'Yveltal FA. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui voulaient voir, pour ceux qui voulaient voir la Yveltal, en FA, bah la voici. Alors sincèrement, alors au niveau des couleurs, oui, ça change de la version physique de base. On s'est dit que franchement, ils auraient pu nous faire un truc de malade au niveau des couleurs, mais elle reste super là, jolie. Vous voyez la version GX de base. Elle reste vraiment super belle. On avait hâte de tomber dessus. Et franchement, elle est terrible. Elle est franchement terrible, cette carte. Y a rien à dire. Elle est terrible. Et on enchaîne avec le Xerneas FA, donc on avait eu avec vous, elle est waouh. Et maintenant... C'est là que je vais la sortir pour la montrer, parce que franchement, elle en jette. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle en jette. Mon Dieu. Donc là, nous avons l'Ultra Necrozma FA. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle. C'est, ouais, franchement, c'est une bombe. Ouais, les couleurs du Pokémon font que la carte... c'est juste magnifique, en fait, c'est juste magnifique. Elle est super jolie, franchement, c'est un coup de cœur, cette carte. Ah ouais, total. Franchement, c'est un énorme coup de cœur, elle est trop trop belle, et puis qu'est-ce qu'on était contents hier, franchement, c'était énorme, quoi, je veux dire. Les amis, voilà, à la base, vous aurez toujours la méga, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais on voulait pas faire comme Ultra Prisme, en fait, on voulait pas vous noyer de lumière interdite, voilà, donc on s'est dit qu'on allait refaire une ouverture en off. On refera encore des ouvertures en off, mais encore des ouvertures avec vous. Mais voilà, vraiment, lumière interdite, on voulait pas vous en noyer. Parce que mine de rien, vous aimez pas forcément trop la série. Ouais, voilà. Disons que c'est quand même assez mitigé, en fait. Il y en a qui aiment, d'autres voilà, qui sont moins chauds sur la série. Alors que nous, franchement, on est à fond, franchement, c'est énorme. D'ailleurs, on espère, les amis, qu'en ayant vu toutes les cartes, vous aurez pu vous faire une idée de la série en elle-même, en passant outre les rééditions, donc n'hésitez surtout pas à nous le dire, hein, bien entendu, dans les commentaires. Franchement, il y a quand même des sacrées bombasses, quoi. Trop énorme. Ultra et hors ultra, bien entendu. Voilà, donc maintenant, on peut enchaîner donc, Je viens de réaliser ma DC. Yeah. T'avais dit qu'on avait quoi, une vingtaine, 25 minutes, je crois. 27. D'accord. Donc ça, c'est le temps qui nous restait sur la carte mémoire, les amis. Donc je crois que... voilà, donc faudra peut-être accélérer un peu. Voilà, donc Lovis le Ténier, non, pas comme ça, non. donc Lovis le Ténier en version FA. Franchement, elle est super jolie. Puis on peut... juste là, donc la Diantère, elle est trop trop belle, elle a des pointes de rose et tout, c'est super joli, puis un peu de violet clair, c'est super beau. Puis l'Ultra Commando, donc celle-ci on l'avait eu avec vous, elle est trop belle. et suivi donc de Palkia Rainbow, donc celle-là pareil, on l'avait aussi eu hier. Elle est classe, hein. Franchement, elle est super, Dieu merci, super classe. C'est pas le même design que celle-ci, par contre, les amis. Donc là, au moins... Ouais, heureusement. Puis, la Mandrillon Rainbow, donc celle-là, c'était avec vous. C'était l'ETB, hein. Non, l'ETB, c'était Xerneas, c'était le display. Ouais. C'était le display, ça, les amis. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc là, on terminera sur ceci, donc sur ces trois secrets. Donc là, vous avez l'Yveltal Rainbow. Elle est belle, hein. Ouais. Franchement, elle est super jolie. Puis de la Xerneas Rainbow, pareil, celle-là, on l'avait aussi eu avec vous. ETB, donc. Voilà, magnifique, évidemment. Et là, on va terminer les choses correctement et en beauté, j'ai envie de dire. Donc, c'est avec l'Ultra Necrozma Rainbow. Oui, on a eu le trio hier. Ça, c'est énorme. C'était un gros kiff.
Voilà, on est tombé sur les trois cartes et c'était super cool parce que mine de rien, on s'était dit oh là là, à tous les coups, on va un peu galérer à tomber sur ces trois cartes et finalement, ben pas de problème. Ouais, ça c'était un kiff. Là, je suis sûr qu'elles tomberont plus, mais au moins on les a. C'est possible, c'est énorme. Ça fait pas tard. Et ce qui est énorme, c'est le Xerneas, Sivelthal et Necrozma en mode bah on les a toutes en fait, on a la GX, la FA et la SOA. Ouais, c'était super chouette. Alors par contre les amis, il y aura quand même eu quelques doubles. Oui. Ce week-end. Alors par contre, bizarrement au niveau des doubles, la blague c'est qu'on n'a pas tant de diversité que ça. Oui, pas tant que ça. Et en fait, c'est là qu'on peut voir notamment les cartes qui tombent le plus souvent. Voilà, assez souvent. Mine de rien. Ouais, ou du moins chez nous. Voilà, après ouais, peut-être que chez vous ce sera différent, mais en tout cas de notre côté, voilà, c'est comme ça que ça tombe. Voilà, donc là vous avez la prisme, donc énergie chimère, suivi d'Arceus. Très trop beau. Prisme, faux 2, il y a son jumeau. Puis de Lissandre Prisme. Super jolie. Voilà, la Dionysie. Elle est trop belle. Celle-ci. Ouais, elle est trop trop belle. Elle est trop belle, ouais. Trop magnifique. Je suis juste fan. Et là, on peut passer au GX. Donc ici, vous avez Infinobi. Théo. Voilà. Bon, elle est classe hein, quand même. Elle est super classe. Donc là, vous l'avez deux fois. Oui, je croyais que j'avais. Une autre carte avec, mais non. Puis de Palkia GX, donc on connaît déjà. Puis d'Yveltal GX, super joli. Bon, bah là, il y a également sa jumelle, la triplée, même. Et là, c'est la même chose en fait, sur Mandrillon. Voilà, et sur Mandrillon, vous avez aussi les triplés. Donc, pas de diversité dans les doubles, ou très très peu, hein, vous l'avez vu. Et aucune F1 en double. Donc ça, franchement, là, on a été super contents parce qu'en fait, on a vraiment complété à fond, quoi. Ouais, c'était super, super cool. C'est un gros, gros kiff. Et franchement, plus ça va et plus on kiffe cette série. Ah ouais, non, mais moi, c'est un truc de ouf. Hein. La toute première ouverture qu'on avait fait avec vous, les amis, on a été perturbés. Tu peux ouvrir, hein, vas-y. Oui, du coup, voilà. Je me permets, j'ouvre pendant que tu parles. On a été perturbés parce que c'est vrai qu'on était tombés sur beaucoup de rééditions. Mais alors sincèrement, une fois qu'on passe outre les rééditions, stop! Tu peux arrêter, Yves, regarde. Voilà. Oui, en fait, là, c'est le truc du temps, les amis. Donc, on va faire une petite coupure. On peut juste vous parler un tout petit peu, juste pour vous dire que, ouais, nous, au début, SL6, bon, voilà, on était tombé sur les rééditions. Mais alors après, et en passant outre les rééditions, SL6 est une très, très belle série. Franchement, ouais, quand on regarde. Elle est magnifique cette série. C'est dommage parce qu'elle va faire un flop justement à cause des rééditions. Mais oui, mais franchement, quand on voit Ultra Necrozma, là je parle vraiment de toutes les cartes confondues qu'il peut y avoir dans cette série que, concernant ce Pokémon. Yveltal, Xerneas, c'est franchement des superbes cartes. Hein, moi je suis fan. Elles sont magnifiques. Il y a des communes qui sont trop belles, il y a des peu communes qui en jettent. Moi je. Non, j'adore ouais, la série. Franchement, c'est énorme. Je suis fan de la série. Franchement. Ouais, elle est énorme cette série. J'ai rien à dire. SL4, j'ai eu du mal. SL6, j'ai pas de mal. J'adore la série, quoi. Ouais, j'adore. Moi je pense qu'il faut quand même lui laisser sa chance, quoi. Je veux dire, voilà. C'est vraiment une super série. Bon, du coup, je pense qu'on va faire la petite. Ouais. Donc, la petite coupe. Donc, les amis, on va juste faire une petite coupure histoire de faire de la place sur la carte mémoire. Et puis, bah, revenir du coup pour ouvrir ça et pour vous donc, en parler un peu. Parce que c'est quand même. Ça, c'est comique par contre. Voilà, on en parlera après. Oui. C'est très comique. Et bah, du coup, bah, les amis, bah, écoutez, bah, à tout de suite. À tout de suite. On est heureux. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, les amis, on a 47 minutes pour vous embêter. Non, mais. Non, on déconne, hein. Non, on va pas vous tenir la jambe pendant 47 minutes. En 5 minutes. Donc, le temps que Desi ouvre ça. Alors, normalement, souvenez-vous, les amis, vous l'avez déjà vu dans les précédentes séries. Vous avez déjà vu ces albums de collection. Franchement, il n'y a aucun problème. Vous l'avez déjà vu. Sauf que parfois ça coûtait 2 euros, comme dans Ultra Prisme. Notamment, oui. Soit c'était même offert avant. Voilà. C'était offert. Sauf que maintenant, ils ont un peu changé leur politique.
puisque donc c'est ça un... Ça colle. Bah oui, c'est le but. Oh la vache, c'est... Non, mais ça presse sur les doigts. Ah oui, ça, c'est un peu moins bien, ça. Puisque, en fait, les amis, du coup, c'est un kit de collection, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ils ont fait passer ça, ce kit pas, de collection. J'ai pas... Oh, ça colle, c'est désagréable. Bah, arrête de le toucher, alors, le truc. Mais oui, mais faut bien que je sorte les produits. Donc, les amis... Non. Kit de collection, donc en gros il y a le portfolio qu'on connaît, le truc en carton normalement, le truc où on conseille vraiment pas de ranger les cartes dedans. Oui non. Surtout pas. Franchement non, parce que je vous le conseille pas non plus. Bah là quoi. Donc il y a ça à l'intérieur, puis un poster et un booster. Donc voilà, donc ça c'est la nouveauté, c'est le coup du poster et du booster. Tu peux juste me passer le plastique, Mélissa, s'il te plaît. Merci. Donc, en haut, du coup, les amis, un album de collection, un booster du JCC et un poster avec tapis de jeu. Et du coup, ils sont passés d'un petit classeur en carton gratuit à un kit de collection. Voilà, pour 6,99€. Voilà, donc ça coûte 6,99€. Je crois même que c'est écrit dessus. Ah oui, c'est Oui, c'est... Ah, tu vois. Ah, tu te... Alors, tiens debout. Ça va être compliqué, cette histoire. Mais par contre, le poster est très beau. Ouais, il est magnifique. Le tapis de jeu derrière, les croisements, c'est magnifique. Le loup-garotte là derrière. Oh là là, canon. Alors, je suis désolée si vous êtes obligé de vous contorsionner. On espère que vous n'aurez pas de torticolis demain. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la passe. Le tapis de jeu. Oh là là, canon. Donc là, ah mince. Bon, je vais vous le tourner après. Donc là, vous avez la face loup-garoc, j'adore. Ah, j'adore. Oh, la face loup-garoc, elle est énorme. Trop énorme. Elle est super belle. Hein. Franchement, elle envoie du pâté. Hein. Et au moins, le loup-garoc, voilà, il attaque, il est présent. Notre coco, il fait... J'adore celui-là. Bonne tête de vainqueur, hein. T'es content, toi, tu souris à la vie. Tu peux enlever le temps à la fin. Franchement, c'est super joli, hein. Y a rien à dire, c'est trop beau. Alors, attendez, faut replier ce machin. Hop là, pour pas l'abîmer. Hop là, c'est fini. Donc là, vous avez donc le petit album, enfin petit, on se comprend. Donc l'album donc de collection juste ici. Collectionner, combattre et échanger. Ultra des croisements. Ouais, elle est magnifique. Franchement, ça c'est en plus pour l'instant en FA. Moi perso, c'est celle que je préfère. Ah, ça envoie du pâté, hein, c'est clair. Donc les amis, ne jamais ranger vos cartes là-dedans en vrai. Je peux ajouter une petite remarque. Avouez que c'est une bistouquette. D'ailleurs, c'est moi où il n'y a même pas toutes les cartes, en fait. Donc non, tu n'as pas tout. Ouais, donc en plus, hein, voyez, voilà. Mais non, mais les rangez pas là-dedans, parce que même sous protection plastique, je suis pas sûr que c'est un bon plan de ranger ça là-dedans. C'est du carton. Vous pouvez le prendre, par exemple, genre pour le fun, si par exemple... Genre nous, on le prend, on en garde un scellé, c'est sûr. Voilà. Ah, parce que c'est classe. Voilà, parce que c'est joli et tout. Ou même si, par exemple, pour ceux qui ont envie de récupérer les petites images et tout. Mais c'est un petit béton, c'est. Mais arrêtez de toucher mon béton. Pardon. Voilà, même pour ceux qui ont envie donc de récupérer les images et tout, ça peut être super sympa. Mais après, ouais, franchement, je vous conseille pas de mettre ça là-dedans, quoi. La pose, le décor. Tout est classe en fait. Ah, c'est très joli. Hein. Roule encore plus vite la prochaine fois, mec, avant de freiner. Hein. Mon dieu. Mais. Notre coco et le démontage tropical. Oui, d'accord. Ah, le loup-garoc. Trop beau, hein, mine de rien, le loup-garoc. Mm. Il est énorme. Bon, bah là, du coup, c'est déjà fini. Avec les petites nouveautés de lumière interdite, des petites. Les astuces. Voilà, donc là c'est notamment sur les règles spéciales, tout ça, etc., etc. Là vous avez un petit paragraphe sur les ultra chimères, enfin voilà, donc pour ceux que ça peut intéresser, bon bah là, vous avez la ligue, tout ça. Le petit espace pub comme d'habitude, ce qui est tout à fait normal. Oui, bon ça oui, ça c'est normal. Et voilà, et donc ici, donc on tourne directement donc à la liste des cartes de la série. Ah, c'est beau.
Bon, c'est quand même super joli. Et donc ensuite, donc le petit booster, donc qui est juste là, donc le petit mandrillon. Donc pour le fun, on va se l'ouvrir hein, quand même. Il est là, donc on va pas le laisser, le pauvre. Mais c'est dommage, hein. Oui, d'ailleurs, les amis, l'autre nouveauté, c'est que maintenant ils mettent le prix sur le classeur à carton, sur l'album de collection, comme ils disent. Album de collection. Voilà. C'était album de collection aussi avant, je crois. Oui. Ouais, là-dessus, t'inquiète pas, y a pas de soucis. Et on peut enchaîner. Ce serait énorme hein, de compléter encore les amis avec les amis, mais bon, c'est pas moyen. Faut pas trop rêver, donc Amagara, jeu vidéo, Escavarène, pas trop de commentaires dessus, Le Petit Grenousse, suivi de Cradopo. Ah oui, j'étais un peu loin. Ouais. Ah, la super carte pour Kiyosune, regardez-moi ça. Le Petit Agnonceau, suivi de Venal Gampsy. Puis de Rocabo Trou Choupinou, super mignon. Et donc en reverse, le Sapro, oui, malheureusement on l'a déjà, mais bon, c'est pas grave. Et on termine avec Google Bad. Quoi? T'as dit quoi? Golgopat, pourquoi? Ah, parce que j'avais pas compris ça, j'avais compris Google Pat. J'ai dit ça, moi? Ouais. Ah, c'est possible. Et voilà! Bon bah du coup, bon bah, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait une reverse qui nous complète. Ouais, au moins une reverse pour compléter. Ça aurait été super chouette. Mais bon, après bon, on n'a pas pris le truc exprès pour avoir un truc qui nous complète. Non, c'était juste pour voilà, le découvrir avec vous. Et puis bon, mine de rien, même si on va pas ranger nos cartes dedans, ça reste quand même joli quoi. C'est super joli et tout, c'est choupinou. Donc voilà! Et comme dit, on en garde un scellé. Oui. Parce que, bah parce que... Mais c'est quand même classe et le poster là-bas, moi j'aime bien. Ouais. Le poster tapis de jeu, il est pas mal du tout. Ouais, franchement, c'est beau. Hein. Ouais. C'est super classe, hein, mine de rien. Donc, surtout la face loup-garoc, moi perso, franchement, j'adore quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, ça y est, il est content, le petit. Donc bah du coup cette vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu, en tout cas nous on a bien aimé vous montrer pour le moment l'avancée d'SL6 et puis franchement voilà cette série elle mérite quand même qu'on la laisse pas de côté et qu'on se penche dessus quoi, je veux dire parce que c'est une super belle série. Ouais, passer outre les rééditions. Bah oui, faut vraiment passer outre, elle est super jolie, franchement vous pouvez pas dire que franchement les cartes sont moches, c'est pas possible. Ah non. C'est pas possible, sinon je vous pète dessus. C'est compris? Pas possible ça. Hein? Ça va aller ma décision. Dis que c'est beau toi là-bas. Bah bien sûr que c'est beau. Sinon je te pète dessus. Voilà. Ah. Il a un problème. Non, aucun. Espèce de poisson pané. Mais dis donc. Ouais. Donc du coup cette vidéo est terminée, oui je le redis une nouvelle fois, donc on espère que ça vous a vraiment fait plaisir, on a franchement kiffé, donc sur ce n'hésitez pas à faire péter la barre de pouces. Si la vidéo vous a plu bien entendu. Oui et si ça vous a plu, hein, voilà, et puis si vous aimez la série. Et si vous n'aimez pas SL6 non plus, n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, et puis aussi à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tu me permets d'ici. Bah écoutez les amis, quant à nous on se retrouvera demain pour un retour de Brocante qui sera très très light. Oui vraiment très light, mais il y a quelques petits trucs sympas. Donc nous on se retrouvera dès demain, donc d'ici là les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien, terminez bien votre week-end. Et surtout n'oubliez jamais, profitez à fond de votre passion. De votre passion. T'as voulu me le mettre dans le cornichon hein, celui-là hein. Ouais. T'as voulu recommencer hein. Ouais. Voilà. Ouais. Tout. Pardon. C'est bon. Salut à tous. Salut.